Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Direction générale la police nationale a dénoncé assassinat policier Pierre Mistal Richard qui mourit dans mouvement groupe policier fantôme 509 tap fait Malari Port-au-Prince lundi 22 mars 2021 côté yon lot agent sorti blessé. Suite à mouvement ça, direction générale PNH la fait sortir avis recherche contre plusieurs policiers responsables PNH Audi qui associé à groupe fantôme 509. Jean-El Delindi, coordonnateur SPNH 17, Alexandre Pascal, Abelson Gouneg, Louis Ludner, Antoine Dario, Jules James Josué, ancien policier qui était révoqué pour assassinat, et Derby Jeffrey Yap cherché pour même chef accusation Sayo, c'est nos 7 policiers, institution PNH la mette à vie recherche derrière 17 mars 2021. Groupe policier sa yon vandalisé et pillé commissariat police Delmar, côté yon profite la de 4 policiers inspection générale police la te mette dans isolement. Fondation J'éclairé, FJKL fait remarquer, Fantôme 509 pose action qui pas cadré avec la loi. FJKL fait remarquer, discours ak action policier Fantôme 509 yon, rejeté droit moun, démocratie, séparation pouvoir, règle la loi, respect discipline ak hiérarchie na PNH la, qui gagne mission pour protéger droit à propriété privée citoyen yo. Fondation J'éclairé FJKL invite défenseur droit moun nan société ya pour réfléchir sur problème ça pour capable jouer une solution avant li trop tard. Face à situation ça, institution police la sorti yon note lundi 22 mars 2021, li fait qu'on est là utiliser la loi pour mettre l'ordre et puis traquer tout monde qui gagne intention criminelle cap créer la trouble dans pays ya. Ministre Justice et Sécurité publique l'a fait connaître, directeur général, inspecteur général en chef la police là, et chef paquet Port-au-Prince là, joignent l'ordre pour prendre toute disposition pour identifier et puis sanctionner messieurs dames fantômes 509. Yo. Ministre Rockefeller Vincent Soulier, au état-major la police là, joignent l'ordre pour démanteler groupe fantôme 509 là. Commandement PNH là, mission tout pour joindre qui est cap soit financé ou sinon Apmeneyo. Numéro 1, MGSP a fait qu'on est plus loin. La mort policier Pierre Mistal Richard à Claude Collegli qui te prend balle, c'est conséquence Zach, messieurs dames fantôme 509. Yo. Policier victime, yo, te gen uniforme institution en sou, yo, ça qui provoquait plus indignation toujours, d'après ministre justice là qui profite voye condoléances li by parents et famille policiers qui victime. Yo. Secteur général AI Police nationale d'Haïti, Léon Charles a déclaré toute disposition déjà prend pour freiner Zak insécurité qui a augmenté dernier jour sa yo dans le pays. Commandant en chef, institution policière a demandé collaboration tout agent PNH là pour travail là capable de faire sans trop de difficultés. Il y a un extrait dans le micro, Mivray Milias avec Théodore Danius. M'a profité de l'occasion ça. Pour me dire, tout bandit, faut camper. Bail pays en chance. Bail pays en chance pour que les policiers qui veulent travailler, qu'ils aient sécurité. Nous sommes capables de courir la rue, faire contenir les motocyclettes, continuer, menacer, attaquer, même prison côté de tuer les temps là. Mais la police n'a pas baissé les bras. La police n'a pas baissé les bras et nous pas qu'à baisser les bras devant bandits. En tant que fils de paysan, commandant-chef de la police nationale, là, monsieur, campé. N'a pas campé. Il m'a forcé de camper. Pour m'aider Mackenzie, justice. Pour m'aider Paul Hector, justice. Et pour tout pays, il y a qu'à jouer la paix et stabilité. Si je ne pas camper, je ne pas camper.
Et puis, ministre Jeunesse et Sport Action Civique La Romale, Gérard Demézard, rend visite mardi 23 mars 2021 à l'équipe football Pays Belize qui vient pour jouer à l'équipe football haïtienne 25 mars 2021. Ensuite. Jeudi, nous visitons la délégation Belize non, qui là, parce que hier, pendant qu'il a rentré pour venir dans l'hôtel, côté hôtel où il descend, il y a un groupe qui était dans la rue, mais groupe ça a des examens dans main yo et yo té wè examens dans main moun yo, mais selon ça toute information que moi gagné moun yo pas agressé yo, mais nous connais c'est football, football c'est symbole de la paix, c'est symbole de fair play, c'est symbole de la gaieté, c'est ça le football. Le fait que yo té wè examens dans main des groupes, donc yo même yo yo té peur, yo croit que yo relé FIFA, yo parlé ensemble avec pays yo, ça fait un tollé sur le plan international. Donc nous-mêmes nous connais pas de monde qui té attaqué yo, mais nous visité yo et pour nous dire yo l'état assuré sécurité délégation hein, sans aucun problème. Ça veut dire que l'état prend décision pour assurer sécurité délégation hein, dans l'hôtel côté oyé sous côté yo pral faire côté dans stade là yo pral entraîner et jusqu'à ce que yo retourne la caillou et l'état a continuer assurer sécurité par délégation et pourquoi pas sécurité dans pays hein, parce que nous besoin sécurité dans pays hein. Moi profiter micro la presse jodi hein, pour nous faire un appel parce que football c'est la paix. Football de pour parler de football, c'est symbole la paix. Donc ça veut dire quel que soit groupe qui dans pays a qui gen zam nan men yo, ka fè revendication, nous profiter moment ça pour nous dire on nous déposer zam yo, on nous déposer kachapika yo, on nous déposer zam blanche que nous gen yo, jodi an pour nous prendre route terrain, pour nous prendre route la paix a qui c'est football parce que football c'est symbole la paix et donc nous besoin de 3 jours de trêve et nous demandons une trêve en deux pays pour que Haïti pas connaît l'autre problème encore sur le plan international. L'océan, le temps, le climat, c'est sous thème ça, Organisation météorologique mondiale, célébrée mardi 23 mars 2021, 61e journée météorologique là, journée ça commémorée dans tout pays qui affilié à l'organisation. Il y a occasion pour mettre projecteur sous service météorologique alors à hydrologique. Dans l'occasion journée ça, il y a une équipe télévision nationale qui a parlé avec ingénieur Marcelin Esterlin qui c'est à la fois représentant permanent Haïti dans l'Organisation météorologique mondiale et puis coordonnateur unité hydrométéorologique dans le ministère agriculture et ressources naturelles. L'été si tout a parlé sous sens célébration ça dans le contexte haïtien. En suivant un extrait. L'année ça, c'est journée météorologique mondiale. Donc journée ça a gain pour thème océan, climat, météo. Donc ça, c'est pour traduire volonté que l'Organisation météorologique mondiale gagne pour relier océan à climat. Une façon pour Ndekadjo montrer que l'importance que l'élément ça gagne dans le système terrestre. Là. Donc là, nous connaissons que l'océan, chaque année, a chauffé globalement et ça a aussi gagné pour effet sous climat mondial là. Donc d'ailleurs d'après rapport l'Organisation mondiale période 2011 à 2021 c'est période qui censée paraître plus chaud et année 2021 pour l'Organisation mondiale c'est année qui était plus chaud. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous connaît que l'océan, lundi océan, climat, météo, océan c'est censé des cadres catalyseurs point de départ de tout cadres système cyclonique. Donc ça veut dire que dans la mesure, et nous connaissons que d'après aussi l'Organisation mondiale, nous gagnons 40% de la population mondiale là, qui vivent à moins de 100 km de côte. Donc par conséquent, il y a des aléas météorologiques climatiques qui permettent que il y ait des avancées d'eau de mer sous terre. Ça fait qu'il faut que nous protéger la communauté. Donc ça veut dire que le météorologique mondial dit que voilà. Mais maintenant, ce n'est pas sans raison. Bon, raison pour ça. Et c'est pour permettre qu'il y ait plus d'informations, plus de communication
et pour permettre tout gagner, nous essayer de protéger la population et permettre que un développement qui fait. Il est important pour vous informer de la situation météorologique et régionale là, et la situation météorologique du pays d'Haïti. C'est raison ça qui fait que tous les jours, nous gagnons une voix qui porte information météo par la population, soit dans la radio nationale, soit dans la télévision nationale, soit dans la Caraïbe, soit dans la Guinée, etc. Donc ça veut dire que c'est pour permettre que nous soyons informés de la situation météorologique quotidiennement. Et je voulais peut-être à partir de micro ça pour permettre moi, annoncer probablement bientôt, probablement à partir du mois de juin, 1er juin, nous allons pour lancer un mobile qui peut permettre avec un numéro court que la population ait accès à l'information météorologique quotidiennement. Donc, information ça, il y a peut-être disponible par le biais d'un kiosque et puis maintenant par un appel, il y a fait, il y a privé, atteindre et information ça dans UHM qui permet de protéger des vies et des biens. Et puis d'après coordonnateur unité hydrométéorologique là, ingénieur Marcelin Esternin, la pluie cap tombé sur région métropolitaine Port-au-Prince là à quelques villes dans pays a rentré dans cadre la pluie normale. Coordonnateur UHM n'en fait qu'on est pas d'adroit gain trop qu'est sauté sous ça pendant li exhorter population pour être vigilant et puis toujours tant débilité météo yon extrait. 20 mars qui sont passés là, donc c'est censé commencer à printemps en Haïti. Donc ça vient faire que la pluie rentre dans le cadre normal. Alors lundi rentre dans le cadre normal parce que pas oublier que la pluie ça c'est soit que y a parti dans convection, c'est-à-dire que réchauffement d'urine, et soit au parti d'un front, donc la pluie dernièrement nous avons au parti d'un front, soit au parti de on croit quelqu'un. Donc ça veut dire que c'est rentré dans le cadre de la pluie normale. Alors pour nous, ça concerne nous en Haïti, c'est que nous pas t'as supposé bailler des alertes par rapport avec on la pluie normale qui tombait. Mais compte tenu que nous connaissons qu'en Haïti que nous pas vraiment gain infrastructure, lorsque la pluie est tombée en amont de Port-au-Prince, il a créé problème en aval. Par suite de nous connaît que égout qui bouchait, canal qui bouchait, qui utilisait à d'autres fins. Donc même au niveau de l'OPC, à l'instar de la direction générale de la police, qui était fait déjà en notre sortie, nous voulions profiter l'occasion, antenne Radio-Télé-Guinée, pour nous saluer décision que trois policiers qui étaient en garde à vue du côté du commissariat du Canapé Vert, et bien des individus qui fait sortir de force suite à des manifestations qui étaient faites dans date 17 à 18 mars là, et bien policiers ça y a volontairement, et bien ils ont décidé de retourner dans ces lieux. Nous estimons que c'est un geste citoyen, nous pensons que ça traduit un esprit de grandeur d'âme, nous félicitons, nous présentons au compliment dans ce sens ça, même genre que direction générale de la police là, qui fait. Dans un autre registre, nous croyons qu'il est du devoir maintenant des autorités judiciaires, de magistrats, de commissaires du gouvernement qui sous dossier ça, ou bien de l'inspection générale de la police qui sous dossier ça, et bien pour capable de statuer le plus rapidement possible, de manière célèbre, sans délai, sous Mounsao, sous statut Mounsao, pour que si il y a des charges qui sont retenues contre eux, certainement pour être capable de faire prison, mais si pas aucune charge qui est retenue contre eux, et bien pour être capable de libérer. Nous ne croyons pas que, par exemple, des citoyens capables de couper dans les cachots d'un commissariat, d'un sous-commissariat ou bien d'un centre de détention, et bien en raison de grèves illimitées que des magistrats décidaient de mener depuis environ 6 semaines. Donc, bagage ça a porté à tête à s'entarer les libertés individuelles. Donc, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous lançons un appel, un SOS aux autorités concernées pour qu'ils soient capables de statuer sous situation Mountaro. Et dans la date mardi 23 mars, là, suite à un communiqué que nous avons fait sortir, eh bien, une délégation de l'OPC qui est allée rendre Mountaro visite, policier Sao qui actuellement retourne dans la garde à vue. Il y a une là-dedans, pratiquement dossier, c'est au niveau de l'inspection générale de la police, et nous pourrons aller créer l'inspection générale de la police pour le statuer le plus rapidement possible sur le dossier, parce que nous pourrons aller environ près de 7 mois depuis que l'y en isolement, et bien les deux autres qui étaient acceptés retourner tout, et bien c'est des mondes qui aux ordres de la justice, donc nous pourrons aller créer l'autorité judiciaire pour que eux-mêmes prennent décision et ils arrangent pour capable de tendre Mountaro, et bien pour que Mountaro, si pas aucune charge qui est retenue contre eux-mêmes, pour capable de recouvrer liberté, retourner à la jeune famille, madame, qui si tu es aux amis,
et retourner à continuer faire travail au niveau de l'institution policière. Voilà la position de l'OPC sur cette question. Protecteur citoyen, nous connaissons que magistrat qui ont grève qui commence depuis 15 février jusqu'à date que grève ça lui-même est toujours kembé. Alors, qui sont à souhaiter pour magistrat yo même le fait pour capable tendre policier ça yo. Bon, sans vouloir entrer sur le bien fondé ou encore les tentatives de justification, le bien fondé ou bien de cette grève, nous-mêmes nous croyons, nous capables de dire que malheureusement que les associations de magistrats, au moment que nous avons lancé grève ça, nous n'avons pas de penser à une cellule d'urgence. Nous croyons qu'à chaque fois que nos associations, nos groupes, nos syndicats, un groupe de monde décide de faire une grève, et bien qui appartient à des activités des services publics ou bien à une institution, et bien, et principe fondamentaux en matière de droit du travail, principes fondamentaux en matière de droits humains, eh bien, il faut que tu aies une cellule d'urgence. C'est valable pour le secteur médical, c'est valable pour le secteur douanier, mais c'est aussi valable pour le secteur judiciaire. Je ne dis pas qu'il y a environ 75% de monde qui a fait la détention préventive prolongée, il y a environ près de 7 ou 8 000 monde qui a fait la prison préventive prolongée au niveau des centres de détention. Eh bien, c'est un bagage qui est grave lorsque nous sommes en centre de détention. On n'est pas capable de connaître le statut. Il n'est pas capable de connaître est-ce qu'il est innocent, il n'est pas capable de connaître est-ce qu'il est condamné et s'il est condamné à X temps de prison. Donc nous-mêmes, bagages à banon, plus d'être chargé, nous espérons que dans le meilleur délai, eh bien, autorité, association de magistrats a compris la nécessité pour que vous capable de mettre sous pied une cellule d'urgence qui est capable de faire face à des questions tout à fait urgentes. Et parmi les questions urgentes, eh bien, le cas de policiers qui acceptent de retourner librement, volontairement, côté ôté en isolement, nous croyons que la justice, au nom des droits humains, au nom des droits humains, au nom des droits humains, au nom de la liberté individuelle, eh bien, au nom des principes, au nom des garanties judiciaires, eh bien, il faut que l'autorité judiciaire prenne les dispositions pour que vous statuez dans le meilleur délai sous Kamuntao qui baille un comportement de citoyen qui traduit un esprit de grandeur. Nous croyons qu'il est du devoir des autorités de ce pays, notamment des autorités policières, et bien pour capable prendre les dispositions nécessaires, les dispositions qui s'imposent, non seulement pour capable faciliter par un policier qui est mort dans le village de Dieu, retrouver corps policier ça, pour capable faire le deuil, mais également il faut que gagne une opération de démantèlement de ces individus armés, de ces gangs armés qui s'immènent la terreur dans le pays, qui ont monde capable de considérer comme des individus sans foi ni loi. Nous profitons l'occasion d'où pour nous présenter sympathie nous à tous les policiers là, policiers qui étaient morts dans le village de Dieu, ainsi que policiers qui étaient tombés sous des balles. La date lundi 22 mars, là, nous croyons qu'il y en a trop de policiers sont tombés sous des balles, nous capables sous des balles d'assassins. Eh bien, il faut que des dispositions qui prennent, eh bien, pour capable garantir la sécurité également des policiers, parce que eux-mêmes ont appelé à protéger et servir toute une. Franchement, c'est pour la première fois que nous, la justice haïtienne, vivait à un niveau ça, parce que nous presque gagnons nous-mêmes comme avocats. 4 ans, nous avons 4 ans depuis que la justice n'a pas fonctionné. Laissez pas grève juge, c'est grève greffier. Laissez pas grève greffier, c'est grève huissier. À vous dire, nous-mêmes comme avocats, franchement, bagaille difficile pour avocats, surtout les jeunes avocats, et bah, extrêmement difficile. Soit regarder la journée aujourd'hui, là, nous perdons une équipe avocat qui était dans le pays. Qui quitte Haïti, qui vit aux États-Unis, qui vit dans l'équipe de l'autre pays. Moi-même, personnellement, j'ai une équipe d'amis qui était en Haïti, qui était avocat, qui pas Haïti encore, qui allait dans l'autre pays. Et après, j'ai une grève là, côté que grève là, il paralysait toute activité tribunal là. Et ça qui est grave là, et par que la police a arrêté les gens, par que a apprécié les gens, mais bien que après que le commissaire Wapil n'a pas venu, parce que zone a une sécurité là-dedans extraordinaire, et personne n'a pas en sécurité. Et Mounsayo, 99% là-dedans, ils ont voyé dans la pénitence. Ça veut dire que la pénitence était déjà une quantité de monde que le PATCA et même supporté. Ça veut dire qu'il a augmenté. La détention préventive prolongée a augmenté. Et bien, la grave. Quand même l'État et penser qui ça au café l'État je dis bien dit l'État penser qui ça au café pour problème en résoudre pour la justice fonctionner pour au moins justice à bio et jeune service et que et, yo mérité parce que
pas capable encore. Gen équipe moun chaque jour gen moun k'ap moun pendanse, chaque jour gen moun k'ap moun dans l'autre prison civile yo. Et nous-mêmes comme avocat, comme représentant droits humains, et nous sentions vraiment nous attristés, nous sentions que nous vraiment tristes de ça qui a passé dans le pays là. Nous presque pas enchaîner avec Samet Kalev dit, parce que le problème n'est pas un problème qui a longtemps, quelques jours, depuis qu'il y a un problème dans le système judiciaire, chaque jour son grève, et je pense que grève qui vient là aujourd'hui, là elle est trop loin. Et je pense que l'État lui-même, il doit prendre responsabilité pour garder comment que le système n'a mal marché. Le système n'a aujourd'hui là, on a dit que chaque jour on a pas arrêté et pas gagné aucun côté que le système n'a a marché pour jugement, pour avoir aucun jugement qu'a fait, pas gagné aucun juge d'instruction qu'a fait des personnes. Je pense qu'il y a un problème. Et je pense que aujourd'hui, faut l'État haïtien avec l'organisation des droits humains, l'organisation des droits de l'homme, l'autre monde qui est dans le système, il faut que tout garde ensemble, chita ensemble, pour garder avec l'organisation des barreaux, pour tout garder ensemble, pour nous chita, pour nous garder qui ça que nous avons fait dans le système. Parce que le système, les non-situations qui sont graves, extrêmement graves. Et si dans le jour qui vient là, et pas de solution pour dans le système, ça là, je pense que nous pouvons aller. Nous pouvons aller net dans l'abîme. Nous-mêmes, au niveau parquet, nous toujours travaillons. Recevoir prévenu, et puis dossier tout. Mais les comme ça, nous remettons dans 4 et puis 4 distribués par un commissaire. Qui pral, alors, d'après appréciation, 4 comptes ça pour faire avec le dossier. Donc nous-mêmes, depuis le dossier à venir, nous recevons. Donc parquet pas en grève, parquet fonctionner normalement. Normalement, les navines là, bon, bien. On peut toujours sentir un petit stress, un petit pérès quand même. Mais bon, bon côté PAM, je ne suis pas habitué. Donc, j'ai 3 ans, je suis à la route là. Et je suis venu. Bon, soit je tourne ou je ne tourne. Mais depuis que je tourne, je dis bon Dieu merci. Bon, le plus souvent, les gens qui sont à la police, pour le camper, faire couverture pour nous. Et puis, ils ont un signal pour nous aller. Tout autant la police va faire un signal, nous sommes dans là. Parquet et puis tribunal premier instance fonctionnent ensemble. Alors, il y a des gens qui sont là pour délit et des gens qui sont là pour crime. Donc au niveau des liens, il faut qu'il y ait un siège correctionnel qui peut être fait. Mais là, ça faut que grève juge t'a levé. Mais ça m'a été revendiqué. C'est tout à fait normal. Donc moi-même, dans le système, dans tout. Donc je ne peux pas dire, on compte de ces affaires. Ces affaires, c'est tout à fait normal. Donc si on n'est pas satisfait, moi-même, tout, côté Mia, tout, je ne suis pas satisfait. Mais quand même, nous parlons de moyens, même plus nous faisons la part. Donc si on n'a pas de volonté vraiment, on ne peut pas descendre dans le paquet là. Parce que l'on descend gros stress. On risque tout. Alors on descend là, on va compter qui est en affrontement. Et puis laisse ça comme dommage collatéral pour victimes. Depuis qu'il fait pas amour, donc il y a des bases de eux. SNGRS. Dans la loi organique, li, li ba nou, on paquet mission. Et mission par nous, et première saleté avant, c'était tout le monde ouais SNGRS, dans la question de ramasser fatra, de faire collecte et de détritus. Mais SNGRS gagne l'autre mission qui allait beaucoup plus que ça, mon pile mon espéré. Et c'est ça qui fait que sous direction par nous, on a travaillé en pile sur question ça. Parce que là, nous venons là, nous venons un bureau qui a fonctionné, c'est vrai. Mais tout service là dans yo démoli, donc n'a reprendre tout service qui vient dans SNGRS Kounia. Donc avant on était capable constater que c'est la direction administrative et la direction générale qui fonctionne au niveau de SNGRS. Mais pour le moment, tout service que nous avons là, toute direction que nous avons là aujourd'hui là a fonctionné, n'a cherché remembrer institution. Donc nous comprenons que en institution, c'est la loi et la loi c'est unique boussole que nous même nous gagnons pour nous fonctionner. Et nous avons conclu la loi dans l'œil décrit avec Kounia, dans le bagage qui était supposé faire, qui n'est pas fait. Donc, en question règlement interne pour l'institution, comment on peut fonctionner, organigramme institution, comment on peut fonctionner. Et je veux dire, nous commençons à travailler sur une loi cadre pour que nous allons réguler la question et opérateur qui a fonctionné en marché et dans ramasser des détritus ou bien collecter d'ordures qui viennent au niveau du pays. Donc, en plus, nous croyons que
assainissement en Haïti son gros problème, mais ça lié tout avec un problème de comportement. Donc ça lié avec comportement, nous comment nous gérer Fatra. Et dans le et tu as SMCRS qui était dans l'air métropolitaine, nous avons que tu as à peu près 40 compressifs qui étaient au niveau de Port-au-Prince. Et je dis à les SNGRS, les dans tout le pays, nous réduit à un quart de matériel que nous-mêmes nous gagnons pour que nous-mêmes nous fonctionnons. Mais nous ne sommes pas venus là pour plaindre que moi nous pas gagné pour nous faire travail là. Mais c'est garder qui ça nous a fait pour le moment. Et ça fait que nous avons des monde qui apprennent une formation sous question de gestion de Fatra. Comment nous traiter Fatra. Mais un facteur qui est plus important, c'est la transformation des déchets. Donc ça, nous travaillons en pile sous lui. Nous gagnons deux pays que nous travaillons avec eux pour nous joindre deux bourses pour nous étudier l'idéologie, pour faire nous connaître qui ça nous a fait avec Fatra. Mais je vous dis, c'est seul nous-mêmes et nous-mêmes seulement qui n'ont pas qu'être Fatra par contre ça vous le fait. Qui je vous dis, nous venons de nos menaces pour l'environnement et pour nous qui vivent là-dedans. Et pendant ce temps, l'autre pays, non, science qui a développé, elle vient de nos sources d'opportunités économiques pour le pays. Et c'est de ça que nous travaillons aujourd'hui. Nous avons profité de l'espace que Radio Télé Guinée ba nous pour nous voyer un gros coup de chapeau à tous les employés que nous avons qui travaillent matin et à souhait au niveau de SNGRS. Et c'est dans ce moment ça pour que pour nous regretter, pour nous protester énergiquement dans le dernier événement qui est passé là, côté que nous avons des employés qui prennent balle et nous sommes obligés de rentrer dans l'hôpital avec eux, assurer que l'employé ça que nous avons, qui c'est un bras droit de l'institution pour que l'IPAC ne perde la vie. Et tout ceci, c'est notre travail SNGRS. Et nous regrettons infiniment de, dans le même événement, ça, nous faire tentative pour ramasser Fatra, nous perdons la machine. Nous. Malgré nous pas gagner suffisamment de matériel pour le travail, et là encore, nous allons rentrer dans le côté que nous allons travailler avec moins un. Et c'est un camion que nous devons compter sur lui dans l'activité que nous avons pour faire. Rentrer dans l'air métropolitaine, non, c'est là nous travaillons. Et je vous dis à là, nous, hier soir, nous avons travaillé avec la mairie de Pétionville. Et je vous dis à nous avons travaillé avec la mairie de Tabar. Et nous avons gagné pour le travail avec à la mairie de Port-au-Prince. Donc après la pluie, on va suivre que toute zone Gérald Bataille, Cara 2, descend dans Maïdaté. Donc toute zone, ça a été zone qui était propre. Tout hier, nous faisons tout week-end après ramasser Fatra. Et dans ce moment-là, nous remercions publiquement. Et DPO et qui est avec nous tout côté que nous passons et c'est lui-même qui est chef d'opération qui vient là-haut. Et nous féliciter et nous remercier également DDO et MTPTC et qui fait toute semaine ça en absence de matériel que nous gagnons, d'être prêté nous de matériel pour nous être capable de continuer à ramasser Fatra qui est une mission par nous gagner sous Air Métropolitain. Le matériel, il y aurait les Wall of Boys ici, hein, comme c'est les noms en flotte, on parle de flotte. Ou bien l'odeur dans la tête, ou bien camion bascule, ensuite ou bien Wolof. Mais nous regardons en face là à 09 son Wolof, nous mettons même ça sous dole. Et puis pour nous, autrefois nous devons mettre dans la rue, mais le bail a fait le problème, nous sommes obligés de mettre dans la flotte pour être capable. Parce qu'immédiatement, on fait 4 voyages ou 5 voyages avec, nous devons avoir un nombre de mètres. Allez, dit ça, c'est 35 mètres. Ok? Ensuite, pour question, et on t'a parlé. À part des questions à assainissement, pour pas que travail que j'ai impliqué par rapport au dynamisme que en province. Par exemple, il y a des provinces typologie des chers à guetter fait. Par exemple, si nous disons que nous un projet de transformation en province, parce que l'IP est habile pour nous faire, parce que les hommes et votre pays sont plus compliqués, et des chers mélangés, mais province sont l'autre bagage. Allez, même là, c'est assainissement à faire, mais. Dans tout département, yo, nous étions là, nous étions techniciens tout, et que quand fait travail là, quand identifié le type de déchets que nous avons, pour nous connaître exactement qui ça nous avons pour nous. Objectif là, c'est pour nous capable montrer qui ça mérite, lui-même la entreprendre au niveau de commune. Et travail que nous avons fait, yo. Nous connaissons que la situation politique pays en un moment, li pas bon, mais en même temps tout pays n'a pas suspendu exister, commune existé, pays a existé, faut nous continuer travail, c'est un objectif ça. Route ça particulièrement c'est Tabar 25, nous t'ai gain deux lots, nous commencer si nous songer depuis un an et demi, nous t'ai commencé l'autre là qui c'est Tabar 48 que nous censé finir, nous commencer ça depuis un an, mais nous t'ai gain deux gros problèmes. Nous t'ai gain problème que
question de pandémie en coronavirus et puis après nous devine un problème finance nous pas gain comme mais heureusement l'homme de chita ensemble avec président Jovenel ensemble avec équipe là avec un PM là moi été posé problème là pour nous dire que gens nous voulait travail mais malheureusement nous avons problème l'argent et c'est à partir de là les mêmes ensemble avec gouvernement ont aidé nous dans question prêt au niveau finance que l'autre mérite qu'on fait bon mérite à bas pour une raison bien pour l'autre que nous pas jamais joindre possibilité ça et nous faisons prêt en finance pour nous capable financer projet pour nous capable finir ensemble avec lui qui est une priorité commune une priorité nous-mêmes parce que nous elle n'a sorti trois tabac 27 toujours embouteillé là il pas permettre que route yo désenclavé capable gain plus accès qu'on y a pour capable gagner yon deuxième tronçon qui fait pour capable désenclaver tabac et c'est une route secondaire liée qui n'a attribution municipalité hein. Et malheureusement route secondaire nous en très 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 mauvais état m'a demandé pour ministre Nader pour capable aider dans question ça parce que moun yo pas comprendre vraiment que mairie n'a pas de capacité pour intervenir de tous côtés en même temps et surtout dans la route principale. Route secondaire, nous capable d'intervenir, mais route principale, ça c'est travaux publics qui ont expertise, ça qui ont moyen d'en mettre pour ça tout. Par 25 ans, nous avons commencé en point de côté dans le BNC hein, et puis là nous venons recommencer là parce que il y a des gens au milieu qui pour côté veulent craser parce que nous connaissons les gens toujours gagné problème pour capable craser en partie dans caillou qui était dans route là et nous quitter milieu hein, pour nous capable que pour nous inciter eux même pour capable faire lever pied pour nous avancer. C'est HL construction qui a fait route là et ils ont commencé là, ils ont fait caniveau et en façon pour nous capable finir très bientôt. Moi mettez le 6 mois mais son bail qui maximum hein, pour nous faire pour nous capable bailler route là et j'en dis hein, c'est dans point ça nous commencer peut-être il y a un mois de cela nous commencer caniveau inclus nous juste côté nous est arrivé dans un mois et d'ici dans 2 à 3 mois encore moi dit maximum 6 mois mais dans 2 à 3 mois encore on doit supposer fini pour nous bailler route là toute bagarre là nous même ça nous attend de surtout pour là ça nous fait ouais toute équipe en fiscalité parce que prêt à faut payer tête li c'est pas cadeau fait nous cadeau c'est un prêt que nous fait pour nous capable continuer route là pour eux prêt ça capable permettre nous que route là fini et comme que n'a gagné n'a prend au niveau de fiscalité capable permettre nous faire plus route. Tout le monde voulait nous faire route bola caillou mais pas gain moyen pour ça c'est moyen qui pour créer c'est taxe qui pour payer qui pour nous mêmes nous capable avancer avec travail et dans même logique là tout dans question de prêt à fait en 3 parties non seulement pour route là et nous faire pour tout mobilisation fiscale on va permettre que mairie en une capacité financièrement n'a une capacité commune qui sa commune en vaut et nous n'a fait non seulement mobilisation fiscale là et n'a fait numérotation des maisons tout n'a fait toute mobilisation fiscale là pour capable recenser toute caille qui est dans tabac mettre en valeur sur yo et deuxièmement tout n'a fait pour être capable de mettre numéro sur chaque caillou, de façon pour être capable de connaître les gens qui payent, les gens qui ne payent pas, les gens qui ont fait de l'autre côté. La construction de route est entrée surtout dans le cadre d'un programme que Méria était enclenché, c'était surtout pour permettre que gagner une meilleure circulation à l'intérieur de la commune. Maintenant, dans le paquet de ça, tu as gagné. Tabac 48 et tabac 25 et puis 1.5 km. Donc tabac 25 lui-même qui fait 1.6 km donc et puis tabac 48 lui-même qui c'est environ 1.2 km et puis nous gagnons l'autre route encore mais objectif là c'est permettre que route qui gagne qui est capable de permettre de meilleures connexions de communes là soit à l'autre ou bien tout de meilleure circulation dans commune là. Maintenant nous enclencher et tabac 48 avec tabac 25 maintenant yo même yo concerné de grande circulation mais grand accès nous même nous pas intervenir sur eux mais nous concentrer nous sur les routes intermédiaires tant que nous gagne classe 8 qui sont l'autre débouché encore que nous comptons lancer même les nous pas problème là mais nous pensons que et avec des fonds ça qui a fait la fiscalité à Carabanchel plus quoi et puis nous capables de lancer très prochainement l'autre route qui va de grandes connexions par exemple la ligne 8 qui permet de sortir bon lui c'est Antoine Isméria donc lui même il a désenclavé toute zone par exemple ou capable
au lieu qu'on passe Gérald Bataille, donc qu'on a un blocus dans le cas pour ça, donc on va tout dévier vers Clessinuit et puis qui permettent ou à sortir et notre Azélie, zone ça. Donc tout ça c'est un objectif. Peut-être pour nous comprendre que c'est pas que nous pas une capacité pour nous faire tout conseil, mais quand même nous sélectionner des nous faire des sélections qui répondent à un besoin de circulation. Pour route là je dis à la après la pluie qui est tombée depuis hier et avant hier, si je t'ai venu à côté actuellement camper là, ou t'as venu sur trois piscines pour nous arriver là, pour nous arriver là. Parce que c'était des piscines qui n'ont pas de capacité. Bon, comme pour aujourd'hui, on est capable de dire, on peut dire souvent, Haïtien pas mais ouais, on a fait ça bien. Mais même le Haïtien a fait 20 000 bagages qui partent, bon, mais ça le fait pour nous-mêmes, on a pas 25 ça là, pour retirer dans la boucle de aujourd'hui, mon cher, nous dit, même comité à camper avec magistrat, si tu as un vote qui peut aller aujourd'hui, nous sommes prêts pour nous rebailler magistrat à vote là encore même. Genre. Parce que c'est dans la boule d'appeler là. Et surtout, dernièrement encore, c'est des comités à terre obligés à venir avec HL pour te retirer mon nom là bout qui était bon, qui était pied mango là. C'est nous-mêmes qui avons fait des matchs là, comité à Repta, qui a fait des matchs là au niveau de compagnie HL pour nous être capable de retirer mon nom là bout côté si mon tape bien la fièvre, malaria. Bon. Il y a pas de chance pour nous avant Maïs à aller, il offre nous ça, même le pas de jambes, il n'y a pas de jambes encore, mais ça le bas seulement suffit pour nous.